Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que cette journée du 14 juillet 2023 qui est un vendredi, j'espère que vous êtes en train d'en profiter du climat estival très 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 caniculaire et chaud en Algérie et que vous êtes au bord de la plage ou là vous profitez de la mer bleue Méditerranée en Algérie et ses charmes. En vous tant, bien de zahar, dans le bled et profiter, je m'arrête. Il y a un événement totalement déconcertant qui vient de se dérouler. Algérie Part a pu confirmer exclusivement au cours de ses investigations qu'une personne liée à un influenceur, entre guillemets, youtubeur influenceur établi à Londres, est partisan du régime algérien. Hadal youtubeur, hadal. عايش في لندن سعيد بن زديره كل اسمه من دركا دغوا بوت بزاف بوكو دونتر فو جو سي كو بوكو دو تيلي سبيكتاتريس تيلي سبيكتاتور بوكو دو نوتر اودينس بوكو دو نوز ابوني سويف اوسي لي فيديو لي ايميسيون دو سعيد بن زديره كي سون توتالمون ديفيرون دو نوتر كونتوني باسكو سعيد بن زديره ايت ان بارتيزان اتيتري دو ريجيم الجيريان حياته نهار كاع هو شيت رئيس تبون المؤسسة العسكرية يصف لي ماروكان يصف لي زوبوزون حنا ردنا انا من ماغون دو تريتر سبني ما خلاليش سي كلكان يعني ان سيرفيتور دو ليجيم الجيريان سي سون بروبر سيرفيتور اي با اوجوردي هيير دوبوي بليزيور جور هذا لو بارتيزون دو ليجيم يلا مع النظام يمشي معاهم يعني بارمي il fait partie بن زديرا parmi les outils de la propagande algérienne. Défense de l'agenda du régime, promotion de ses hauts responsables, insultes et instrumentalisation permanente des idées les plus, des concepts de la propagande anti-marocaine du régime. C'est un relais, Ben Zdera, c'est un relais de diffusion de la propagande du régime. Et c'est pas la peine de vous expliquer, je voulais, à côté de Marouf, le Koulihal, il est suivi, souvent critiqué, il est sulfureux, controversé. Depuis 3 ans, depuis 2020, notamment depuis la mort de Gaïd Saleh, il est avec le système Shengreha. D'ailleurs, il est proche, il a toujours été proche, et l'Algérie Part l'avait déjà dénoncé pour cela, il l'avait épinglé pour cela. Je l'ai toujours dit, c'était le principal outil de propagande d'un clan au sein du renseignement militaire, à la direction centrale de la sécurité de l'armée, à l'époque du général major Zid Ali Wurzmelli, de son frère le colonel Omar Wurzmelli, et d'un ensemble d'officiers du renseignement militaire qui étaient des anciens, ce sont des anciens officiers d'état des années 90, maintenant Boulahia, le fameux colonel Abdelhamid Boulahia, alias Boulahia, ou Abdelhamid. J'ai oublié son nom. Je me suis dit, allez, bzer, le colonel Adaboul, il a fait Algérie Part en 2021, le lieutenant-colonel Amirat, etc. Qui n'a allé, si vous vous rappelez, au Kona, les officiers sont en train de. Subhanallah, tout ce que nous avions dit, tout ce que nous avions dit, c'est concrétisé, Hussein Hamid, qui est alias le colonel Boulahia, un ancien du renseignement de la DCSA, de la Direction Centrale de la Sécurité Militaire dans les années 90, qui était spécialisé, on l'appelait Boulahia parce qu'il était spécialisé dans l'infiltration, et qui a été nommé en 2021, début 2021, à la tête d'une division importante de la Direction Centrale, de la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure, où Adam Hussein Boulahia, il complotait contre les hauts responsables de l'État, il a utilisé Saïd Ben Zdira comme principal outil de diffusion des informations manipulées, des rapports bidonnés de certaines enquêtes sécuritaires menées par le renseignement militaire, à savoir la DDSA, par le renseignement extérieur, la DDSE, la Direction de la Documentation de la Sécurité Extérieure. Il lui donnait, donc ce sont des rapports sécuritaires qui ont été manipulés, partiellement manipulés, quelquefois intégralement manipulés. Ils ont diffusé, ils ont utilisé Ben Zdira pour un canal de diffusion et un canal de propagande contre certains conseillers d'Al-Majid Tebboune qui m'appellent un problème. Certains ministres du gouvernement et certains membres de l'entourage proche d'Al-Majid Tebboune, et ce clan était largement en faveur de Saïd Shengreha. Il voulait, Saïd Ben Zdira était donc utilisé par les Sid Ali Wurzmelli, les Boulahia et d'autres officiers du renseignement militaire extérieur pour conquérir le pouvoir et pour imposer
ce qu'il voulait. Algérie Part l'avait raconté en 2021, en 2022, jusqu'à ce que quelques officiers membres de ce réseau de comploteurs ont été arrêtés au mois d'août 2022. Il voulait faire tomber plusieurs têtes au sein des services secrets et au sein de l'institution militaire, et plus tard au sein de la présidence, pour prendre le pouvoir à la tête des services secrets. Il voulait que Ada, Colonel Hossein Boulahia, voulait prendre la direction, il voulait prendre la tête de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Il voulait placer un autre de leur copain à la tête de la Sécurité Extérieure. Ensuite, il voulait s'emparer du pouvoir carrément et désigner eux-mêmes le coordinateur, le patron des services, pour ensuite influencer la présidence et détenir le véritable pouvoir et désigner le futur président qui devra être désigné pour les élections présidentielles à décembre 2024. Hada Saïd Mestiana. ما راهوش اوبوزون هو يقول هاو يستعرف يقول بلي انا مع النظام ومع الجزائر وعبد الصمد خاين وهذو خاونه اي با لو سون بروبر فرير سمعوني مليح سعيد بن زديرة et son entourage et ses amis font l'objet d'une enquête approfondie menée par les services de sécurité, notamment par la DGSN et par le service central de lutte contre le crime organisé de Sahoula. Je dis bien le service central de lutte contre le crime organisé de Sahoula, l'office central de lutte contre le crime organisé de Sahoula. Depuis plusieurs jours, un des téléphones de Saïd Mesdera, Saïd Mesdera d'ailleurs l'a dit il y a de cela une ou deux semaines, l'élément de son téléphone, soi-disant, il lui aurait été volé à Paris, parce que c'est ce qu'il raconte, qu'il a même déposé plainte contre un Algérien qui habite à Paris contre le vol de son téléphone, et que ce téléphone aurait atterri entre les mains de la DGSN parce qu'il serait, il aurait été victime d'une agression perpétrée par le clan Boualem, que Ben Zdera a toujours dénoncé au profit du clan des Welsmelli, des Hussein Boulahia et des officiers du renseignement militaire et certains officiers du renseignement extérieur, qui sont tous des anciens officiers de l'enseignement militaire des années 90. Donc apparemment, cette guerre de clans a abouti à l'arrestation de plusieurs personnes et le partisan du régime algérien Saïd Ben Zdera, son propre frère, Abdelghani Ben Zdera, qui est le maire de Birine, une localité dans la wilaya de Djelfa, il a été arrêté hier le 13 juillet 2023 et nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que jusqu'à 23 heures, les enquêteurs de la DGSN, hors de la police, donc ont perquisitionné le bureau de Abdelghani Ben Zdera, frère de Saïd Ben Zdera et maire de la commune de Birine, la wilaya de Djelfa. Son matériel informatique a été saisi, son domicile personnel a été perquisitionné et ses téléphones et son matériel informatique personnel a été aussi saisi. Ensuite, c'est le domicile du secrétaire général de la mairie d'Al-Birine qui a été aussi perquisitionné. Et lui aussi, le secrétaire général a été arrêté. Et avec le frère de Saïd Ben Zdera, Abdelghani Ben Zdera, un commissaire de la police au niveau, c'est le commissaire divisionnaire de la sûreté urbaine d'Al-Birine qui lui aussi a été arrêté et ses bureaux et ses locaux personnels et professionnels ont été perquisitionnés. Les trois ont été arrêtés, ils ont été transférés ensuite à Alger vers 2h du matin où ils ont été placés en garde à vue dans les locaux de l'office central de lutte contre le crime organisé de Sahoula. Coup de théâtre. À Alger, personne ne comprend qu'est-ce qui se passe. السيد الشيد يعني النظام الجزائري مهم الشياتين تاعهم ما سلكوش منه السيد الشيد لهم صباح وعشيه ويزاغيت سون فخير سي كونتاكت ils ont fouillé son téléphone qu'ils ont récupéré et il y a une enquête pour un réseau, c'est un réseau de comploteurs, d'officiers, de personnalités dans des anciens militaires, dans des personnalités civiles qui sont soupçonnés d'avoir comploté contre la sécurité nationale et d'avoir reçu de l'argent ou l'a envoyé de l'argent à l'étranger et reçu de l'argent à l'étranger pour faire des complots, la nourrir, alimenter des complots contre la sécurité nationale en déstabilisant notamment la présidence de la République et que ces réseaux de comploteurs aient été les complices de Saïd Ben Zdera qui a été utilisé pour torpiller Boualem, le conseiller préféré, le plus influent de Abdelmadjid Tebboune. Et pour le faire, et l'objectif principal de ce complot était de mener, provoquer la chute de Boualem, ensuite justifier son arrestation pendant l'enseignement militaire dans les services de l'enseignement pour aller ensuite le juger, le mettre en prison afin de décapiter Abdelmadjid Tebboune et de l'empêcher d'avoir la main mise sur le pouvoir afin de faire de lui un président marionnette entre les mains des officiers de ce clan d'officiers militaires de l'enseignement militaire, de la sécurité militaire, de la sécurité extérieure. Film. والله يا جماعة نتفليكس وما تسرعش هذا ما راهوش اوبوزون اي سو سون اتاكي عبدو سما لالجيري بارت قال انا جو دينونس عبد المجيد تبون جو دينونس لو ريجيم سي
je veux dire, et son déformation. C'est la première fois, je le dis bien, que je parle de Saïd Mesdir. Je n'ai jamais répondu à ses attaques. Je n'ai jamais fait de polémique. Je n'ai jamais voulu verser dans la polémique stérile. Je n'ai jamais fait de la diffamation. Je n'ai jamais voulu entretenir les querelles personnelles. Non, on est un journal. On n'est pas des youtubeurs. Moi, je suis un journaliste qui travaille sur la vérification des faits, sur l'analyse factuelle, pour éclairer l'opinion publique de notre pays. Moi, je travaille pour l'Algérie. Or, ces gens-là, finalement, travaillent pour des clans. Benzdira ne défendait pas l'intérêt de l'Algérie, puisque le régime lui-même qu'il servait, qu'il distribuait jour et nuit des louanges et des éloges, le régime qu'il glorifiait vient d'arrêter son propre frère, il vient de le soumettre à une enquête, il y a déjà un mandat d'arrêt international pour Saïd Ben Zdira. Donc même les serviteurs du régime ont des mandats d'arrêt internationaux, même eux ils sont inquiétés, harcelés, et même eux sont soupçonnés de comploter, chiites, ils complotent contre le régime, les chiites. Là. Si c'est ça, c'est un folie, l'Algérie, le Nez, Nizam Hebel. Bon, bien sûr, moi je vois cette information ne va pas avoir un impact sur le quotidien des Algériens et des Algériens. Elle ne va pas leur permettre d'améliorer leurs revenus, de lutter contre la canicule, de vivre mieux, de faire face à l'inflation. Ce n'est pas une information fondamentale. Je vous la révèle pourquoi? Pour vous expliquer les contradictions. Les contradictions schizophréniques du régime algérien actuel. Que même dans le cercle de ses propres serviteurs, et dans le cercle de ses propres partisans, il y a des guerres de clans, il y a de la persécution, il y a des harcèlements, il y a de la surveillance. Moi, je ne sais pas ce que Abdelghani Mesdira a fait. La vérité, je ne suis pas là pour le dénoncer, je ne vais pas l'accabler. Elle a vu comme Saïd Mesdira Khatari, elle a parlé d'une de mes sœurs. J'ai une sœur, Mesdira Mesdira, elle a dit des années que je suis là. Mesdira Khatari, elle a eu un dossier. Parce que comme moi je dérange, parce que comme moi je suis neutre, Algérie part est neutre et professionnel et objectif, nous dénonçons tous les clans mafieux du régime et nous défendons juste l'intérêt général. On ne fait pas de l'injure et de la diffamation, on rapporte des informations confirmées, factuelles, toujours dans le cadre de la défense de l'intérêt général. Mais c'est la khatra, parce que je dérange aussi son clan, on lui a donné un dossier sur une de mes sœurs, Ousmane Isma, qui s'est mariée depuis des années avec quelqu'un et qui a, elle et lui, ils ont fait un projet d'investissement apparemment immobilier fait ça là. Ou dans une émission que le chôte Abdou Samar, où il a géré un terrain, où c'est Tahkout quand il était son ami sur le meuble de ça là. Il n'a rien à voir. Tahkout, où je t'ai fait ça, Tahkout, milliardaire en dollars, en devises, il a fait des projets, il a eu un chôte qui a fait ça là. Vous êtes sérieux? Une histoire qui n'a ni queue ni tête, juste pour me faire du mal, pour salir ma réputation, pour me discréditer. Son mari a été placé sous enquête. Tous les éléments apportés par Saïd Mesdira sont fous. C'est de la pure manipulation. Aujourd'hui, regardez la différence entre un vrai journaliste indépendant, qu'on peut qualifier d'opposant, parce que sur le plan politique, c'est vrai que j'ai des positions qu'on peut qualifier d'opposant, et entre un simple propagandiste. Anna, je ne vais pas me réjouir du malheur de Abdelghani Benzdira. Anna, le frère de Benzdira, j'ai mal pour lui. Parce que je ne comprends pas. Si on a un problème avec Saïd Benzdira, pourquoi s'attaquer à son frère? Je ne sais pas quel est. Je n'ai pas encore les dessous du dossier. Je ne vais me prononcer. Je parle au conditionnel. Jusqu'à maintenant, d'après les informations qui sont en notre possession, on soupçonne le frère de Benzdira de recevoir, d'envoyer de l'argent à son frère Saïd et d'être l'un des intermédiaires avec des sources au sein du renseignement militaire et de l'enseignement extérieur pour torpiller des hauts responsables de l'État et pour comploter contre la présidence de la République et pour affaiblir le pouvoir de la présidence. Mais le Belich est un ami à Filbirin, Filjilfa Marmé, Yanni Wushir Dariawen, Khori Raïch Filandre. Ou est-ce que Saïd Benzdira a besoin de son frère pour insulter ou la diffamer, ou là, parler de l'intimité de Boualem Boualem, ou là des membres de l'entourage de Tebboum. Je ne sais pas. Mais la Belich. Je dis juste que je trouve dommage qu'on s'attaque aux membres de la famille de quelqu'un lorsqu'on a des problèmes avec ce quelqu'un. La virilité, le code d'honneur en Algérie, dans notre pays, a toujours été, même les années 90, les frères et les femmes étaient des terroristes.
le régime luttait contre les terroristes eux-mêmes. Nous sommes dans une séquence où on a la belle combat qualité. Moi, mes enfants ont été pris en otage. Je ne peux même pas voir mes parents, etc. On s'est attaqué à cette sœur Mskina avec laquelle je ne suis même pas en contact parce qu'on veut me discréditer, on veut m'affaiblir en croyant qu'on va me faire taire. Et ça n'a jamais marché parce qu'Anna, je ne cède pas au chantage. Anna Abdou Samman Mout, je ne cède pas au chantage. Et Doli Habbeto, El Mout Rajel, Ouli Mout Maïe, El Mout Martyr. Anna, je ne cède pas au chantage. Moi, je n'ai pas cédé au chantage, je continue mon travail de manière la plus professionnelle. Je ne fais pas du journalisme parce que je veux me venger contre les dirigeants du régime algérien. Je fais du journalisme parce que je dois informer. Je fais du journalisme d'investigation et engagé et indépendant parce que je dois informer mes compatriotes sur les dessous de l'actualité de notre pays et sur les dangers encourus et provoqués pour la sécurité nationale, la stabilité et le développement de notre pays, provoqués par les dérives de nos dirigeants. Je suis dans un... Moi, je ne parle pas de ma personne. Moi, je me bats pour mon pays. Un jour, je reverrai mes enfants, je l'espère. Mais je pense que je finirai par gagner, qu'on finira par gagner. Parce que moi, je crois, je suis quelqu'un de naïf. Je crois que le bien finira toujours par triompher contre le mal. Je suis comme ça. Pas là que je vais me tromper, mais je pense que l'histoire me donnera raison. Anna, je ne vais pas me faire comme Bensdera, me réjouir du malheur de son frère. Je lui souhaite d'ailleurs du bon courage, parce que j'imagine qu'il souffre en silence, Bensdera, Mskin. Parce que Deo le roi. Un problème à Bensdera, t'as le problème à Bensdera. Alors, je vous la justice britannique, déposer une plainte contre lui, laisser une justice indépendante et professionnelle, le juger pour savoir s'il a réellement comploté, s'il a réellement volé, s'il a réellement pillé, s'il a réellement voulu déstabiliser l'Algérie, quel était son rôle. Parce que Bensdera, encore une fois, il était l'un des leurs. Donc, je suis un opposant. C'est l'un des leurs. Il doit y aller. Et finalement, lui-même a des problèmes avec le régime. Ça indique quoi? Ça indique que notre pays est profondément instable. Il n'y a pas un régime qui est homogène. Le cas d'Algérie était une dictature homogène, avec un seul décideur, un seul centre de décision, je vous dirais, mais allez, ne soyons pas inquiets. C'est une dictature. Balek, grâce à cette dictature, Balek, on peut avoir quelques points positifs en développant le pays, ou la conserver la sécurité du pays dans un environnement géopolitique dangereux et dans un environnement international que je vous fais plein de tensions et de guerres. Mais le régime n'est pas homogène. Qui indique non, je mets Tboum ou je mets Chengri à part. La preuve, ha Bensdera les canirani ou tabbel ou siffle les Marocains ou siffle les opposants, on refait de l'ocho. Ou est-ce qu'il est soumis à une enquête? Ou allez-je parce que Galek Sarknati a un de téléphone, ils ont. Ils n'ont jamais répondu à ces accusations. Apparemment, c'est en analysant le téléphone de Saïd Bensdera qu'il y a des personnalités qui ont été identifiées comme étant des. Membre ou là des actifs de ce complot que porterait sur ses épaules Saïd Bensdera. Ça prouve que le régime n'est pas du tout homogène. Un pays dominé par un régime qui n'est pas homogène est un pays qui est voué à l'insécurité. Parce que c'est un pays où les décideurs ne sont pas unis entre eux. Comment voulez-vous qu'ils se battent entre eux? Comment voulez-vous qu'ils puissent se battre pour protéger le pays lui-même? Je tire la sonnette d'alarme. Ouhadi, c'est une leçon. À celles et ceux qui croient encore à ce régime et qui veulent le servir. Le patriotisme, c'est d'aimer son pays, pas son président. Le président, les dirigeants sont des simples mortels. C'est l'Algérie qui était mortelle. Le patriotisme, c'est défendre le pays, pas le régime. Les régimes changent, le pays reste. Donc ne servez pas les régimes, servez le pays. Ne demandez pas ce que votre pays a fait pour vous, mais ce que vous, vous avez fait pour votre propre pays. Donc, pour le moment, je ne me prononcerai pas sur l'affaire de Abdelrahim Bensdera. Nous continuerons d'enquêter, nous rapporterons des informations plus ou moins détaillées dans les heures à venir. J'espère que ce n'est pas une simple affaire de vengeance. Si c'est le cas, je le dénonce et je le déplore. Et contrairement à Saïd Bensdera qui se réjouissait de mes malheurs personnels, nous, les journalistes sincères et les opposants, entre guillemets, nobles, qui ont des intentions nobles, ne peuvent pas se réjouir des malheurs des uns. Parce que ce que nous voulons, c'est le bonheur de notre peuple et le bonheur de notre pays. Non plus, sans moins.